Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo FM du mercredi. Ça aurait dû être FM Exo pour 5 avec le poteau Mini qui est en vacances, donc pas de soucis, on dit coucou à Mini, j'espère que ça va bien. On le retrouvera d'ici 2 semaines. La semaine prochaine, ça sera les 130 Exo. Voilà, on reprendra le rythme normal. Mais aujourd'hui, voilà, je vous propose quand même quelque chose. Ça devrait être assez cool, ça devrait vous plaire. Du brisage PA, ça fait longtemps qu'on en a plus fait. Ça sera sur la carapace de Torkelunia, donc un item super bien. Vous connaissez sûrement la panneau, vous avez sûrement déjà entendu parler du très très beau bonus. Voilà, qu'on a là avec 10% de crit notamment. Donc voilà, ça les gars, c'est pour mon stuff. Voilà, l'objectif aujourd'hui, ça va être d'aller viser un GPF sur lequel, par derrière, je mettrai une Dodi, une Tadodi. Donc, histoire de viser un GPF avec 1% Dodi. Ça sera du coup, voilà, pour mon stuff. Cette vidéo, c'est le premier épisode d'une mini-série, on va dire, de FM de mes stuff. Donc, stuff que je vous présenterai une fois fini. L'objectif, voilà, pour l'instant, pour moi, c'est de terminer la team de zéro, arriver au niveau 200, mes objectifs. Ce sera à peu près l'ivoire quoi. Et puis dès que j'ai fini tout ça, je reprendrai les cas pour notamment faire le Dofusul Bis. Je vous présenterai tout ça quand ça sera fini. Mais voilà, ne vous étonnez pas si vous voyez de temps en temps des petites vidéos un peu sympas pop sur la FM d'un item, peut-être deux ou quoi en max dans une vidéo. Où bah il y aura des trucs vraiment cool à faire, de la FM d'Audi, etc. Sur, voilà, j'en dis pas plus, vous verrez les items, etc. arriver au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, voilà, carapace de Torkelunia, les amis, on va voir ce que ça peut donner. J'ai entendu dire que c'était pas spécialement évident. On va en plus de ça le faire à l'orbe. Donc c'est pas spécialement ouf les gars, hein, d'y aller à l'orbe, je le sais bien. Mais j'ai la flemme de commencer à exo tout ça et de le remonter à chaque fois à la mano. Donc écoutez, j'espère que ça se passera bien, qu'on aura un PA bon, déjà assez vite et puis surtout sur un G assez cool aussi. Donc on est parti, j'ai 200 orbes, 200 gars PA, j'espère qu'on aura un maximum de tenta. Après bon, comme d'hab, hein, si on met beaucoup de temps pour avoir l'exo mais que dès la première tentative on a un beau G, ça me va, voilà, vraiment, on vise le near perf. Donc l'idée c'est d'avoir 2 de stats en moins en vita, bon allez... au maximum 9, même si ce serait bien d'avoir maximum 5. Et puis derrière, toutes les stats au max, quoi. Tous les dos, toutes les fuites, les esquives, etc. Donc on va essayer d'obtenir quelque chose d'assez cool. Et pour ça, eh ben, il serait temps de passer le premier exo. Donc écoutez, je vais passer ça, je l'espère, assez vite. Et puis on se retrouve. Ça fait hyper longtemps que je peux faire de brisage, j'espère que ça va vous plaire. Et j'espère que ça va bien se passer. Ok. Je regarde un peu et je suis en train de me dire ça va, ouais, ouais, c'est à l'orbe, hein, vraiment, l'orbe, je vous déconseille, c'est le genre de truc qu'il faut vraiment pas, il faut avoir la patience de monter les G. On va voir si on peut tirer quelque chose de ça. Donc on a mis, bon ça reste honnête, hein, 65 tenta à peu près, 65-66, 66 gap PA. Donc bah écoutez, 11 de terre, ça fait un peu mal, la J, la force... Bon, écoutez, let's go. On va essayer du coup de monter ça un petit peu tranquillou. Donc comme d'hab, hein, pour ceux qui connaissent pas trop, les gars, on est sur un item où on ne peut absolument pas aller viser un très gros G sans justement rajouter un PA. Alors, on récupère le puits du PA qu'on saute. Et là, les amis, ça va être complicado. On va voir. On est à 5. On va essayer de pass fail aussi. Ça, c'est un truc assez cool. Je pense que là, il faut être audacieux. Et il faut tenter une petite padocrie. Ça ferait pas de mal d'avoir 15 de poids, 15 de puits enfin de récupérer gratuitement quoi. Et voilà, c'est le cas. Ok, donc on est toujours à 5. À partir de là, honnêtement, ça peut jouer. Là, il faudrait la pavie. J'en ai bien peur. Hein. 332, je suis vraiment pas fan. Mais on va quand même y aller à la pavie. Ça nous ferait une vita assez jolie. Allez, s'il te plaît, Dofus. Je m'attends à un certain nombre d'échecs. J'en espère pas 20 quoi. Ok, ça reste encore à peu près honnête. Donc, c'est du 6 pavis. 6 pavis, 6 pavis. Donc, 18, on a 23. On va monter un peu la force. 26, ok. Allez, un petit dos. Pour monter à 36. Donc, 36 sur 100, c'est-à-dire qu'actuellement, bon, là, 42. Donc, actuellement, il nous reste 58 depuis. Ok, ensuite, 42. Je vais y aller à la page, là, un peu. 45. 48, ça c'est fait. Ok, ok. Donc là, il va nous manquer les rats, les dos, une petite passa, les raises. Tendu, tendu. Allez, on va y aller sur les raises. 48 toujours, ça c'est vraiment cool. La compensation forcément. Ok, donc on est à 60. Il nous reste 40, les gars. 40, 40. Ok, il nous reste 20. Bon, là on est sur un échec, hein, clairement. Je vois pas comment on peut y arriver. Voilà, sans problème. Bon, aïe. Donc là on a plus de puits. Écoutez, c'est très dur cet item. Après là je suis parti sur un jet assez... Enfin c'était pas terrible, honnêtement. Donc bon, sans surprise, on y retourne pour une prochaine tenta. Oh, let's go ça les boys. Tiens, tiens, tiens.
On a quelques runes plus tard. Cette fois-ci, le G, qu'est-ce qu'on doit en penser? Cette fois, c'est l'AJ qui est pas du tout bonne. Les res à 6, là, les res R. Bon, honnêtement, je suis content si on a les tentats. Et juste après, là, ce premier brisage fait, j'étais en train de me dire, bon, à mon avis, il faudra que je fasse quand même à la remontée G classique. On verra ça. Je vais mettre les 200 en orbes, les gars, de toute façon, pour la vidéo. Le budget vidéo qui est assez cher, hein, 20 millions les orbes. Ça nous fait à peu près du 7 millions de GAPA. Donc voilà, il y a quand même un budget pour cette vidéo, les gars. Donc j'espère que vous avez kiffé. Et j'espère quand même qu'on obtienne quelque chose de ça. Donc on y va, tranquillou, encore une fois. Là, on mettra la padocrie en espérant le crit juste après. On va monter ça. Ok. Allez, ça serait bien qu'on puisse se rapprocher un peu plus d'un meilleur G au moment du PA. Est-ce que c'est le cas? Bon, je sais pas, on va voir. Il faudra encore un succès d'ocrie, les gars. Un succès padocrie. Ok, donc on récupère 4 ici. On est à 2 pour l'instant. Allez, allez, les gars. 98 depuis, c'est parti. On va commencer encore une fois par ça. On est à 2. Ah, cette fois, pas de crit, dommage. 17. On va mettre un peu de res. 23, 29. On va y aller sur les rats direct. 39. Ah, attendez, il y a ça aussi. Qui sera un peu dur. 42, 45, 48, 51, 54, 57. Aïe, aïe, aïe. Ah non, ça va être trop dur. 67. 67 toujours. Non, mais c'est cuit, les gars. 77. C'est dur, les gars. Franchement, il faut avoir vraiment de la chance si on veut la jouer à l'orbe. Honnêtement, si tu la joues à l'orbe, il faut vraiment que le PA arrive sur un très gros jet. Et bon, c'est dur parce qu'il y a beaucoup de lignes. Il y a des grosses variations. 41 à 70, ça fait beaucoup quand même. Donc écoute, on est reparti. Bon, bah, je crois qu'on est sur du 3, les gars. Il m'en reste 10. Bon, dans tous les cas, ce qu'on va faire, c'est que je vais rechercher des orbes, tant pis. Même si, de toute façon, voilà, je me suis convaincu là, ça va être compliqué de le faire à l'orbe. Donc à la limite, ce que je ferai, c'est en live. Voilà, on le fera en live, ce petit sac à dos hein, de Torquelunia, la carapace. On va quand même se donner un dernier espoir. Je vais aller rechercher des orbes. Même si, bon, c'est free dépense pour rien, honnêtement. Est-ce que ça va passer? Non, ok. Bon, je vais me chercher des GAPA et des orbes jusqu'à avoir juste une dernière tente, un dernier brisage qui pourrait peut-être se passer bien. On sait jamais, sur un malentendu. Mais à mon avis, on le fera tout simplement en live. Et on le fera de manière assez classique avec justement l'exo, quoi. Ça sera un peu plus chiant, mais bon, on ira viser un G minime, pas trop chiant non plus. Et voilà. Donc je vais chercher des orbes, je reviens. Ok. Bah voilà, écoutez, j'ai rajouté 5 ans, donc j'ai fait encore 35 en plus de ce que j'avais déjà. Donc lui, il a mis du temps à arriver, ce dernier exo. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit du 19, c'est pas trop mal. Là, les dos à 15-15. 15-15-12 d'ailleurs, c'est 12 sur 12. Il nous manque la G. Ah, ça serait tellement beau par contre qu'on termine sur... Vraiment, le G là, les gars, il manque 7 sagesse, ça va faire mal. La G va aussi faire mal. La Vita qui est pile poil à 300i, mais ça va peut-être le faire. On est parti, j'espère que ça va le faire, ça va être tendu. Je vais commencer par une passa. Qui crit, ok. Alors là, vraiment, j'ai un peu peur, hein, parce que là, la page, je l'aime pas du tout, la page. Ok, on va mettre la fuite, ok, la Vita qui redescend un peu, ça c'est cool. Ok, bon, on est bien là, qu'est-ce qu'on met à votre avis? Est-ce qu'on tente pas le crit pour qu'il fasse sauter le P en même temps? Allez. Ok, j'aurais voulu qu'il passe, mais là, honnêtement, on tient, les gars, je crois qu'on tient peut-être notre G. Ah non. Ok, le crit qui compense, heureusement. On est à 20, on a déjà tous les dos. J'ai peur, on va avoir le 50-70. Faut pas que les pas... Déjà, la page, elle va sûrement troll, là, de 57 à 60. Et puis, la rage, faudra pas qu'elle mette ce centrail non plus. Allez, 23, 26, ok. Oh là là, les gars. Oh, non. J'y vais directement. Attendez, je tente quoi d'abord? Tac, tac, tac. Allez, on a 26. Allez, c'est parti pour la rat. Ouh, crit! Let's go! Allez, s'il te plaît, ça serait tellement beau de finir. Genre, j'ai mis tellement d'orbes et de GAPA là pour le dernier exo, quoi. Donc, on est à 26 toujours. Je troll pas, c'est bon, on est à 26. On va aller, les gars, perdre d'abord ça. 32. 38. Non. 44, ok. Je crois qu'on tient notre G. Attends, je vais me taire, on est tellement loin encore. 50. Ouf, non, arrête. Arrête, 53, 56, 59, 62, 65,
Il me reste 15 de puits, les gars. 15 de puits, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Les gars, on va faire le bilan. Il me reste 15 de puits. Ah merde, il manque la passa en plus. Mais non. Mais non. La putain de pas faute. Merde. Il me reste 15 de puits. Mais non. Je me suis trop fait troll. Oh non, 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 non. S'il te plaît, Dofus. Attendez, on va recompter un coup. Hein. Alors attendez, j'ai bien fait de revenir parce que déjà là. Là, ça c'est pas une petite page par pur hasard ça messieurs. Parce que là du coup ça nous fait plus 2. Donc ça c'est un bon point à prendre. Deux bons points à prendre pardon. Attends je vais quand même m'assurer mais ça peut être que ça. Ah ça peut peut-être être un, non ça peut pas être un dos. C'est absolument, c'est une page hein, pour moi. Ça peut rien être d'autre hein. Non non c'est une page 100%. Ok donc là on a 2 ok. Là c'était les deux cris. Donc on a 18. Ensuite on vient mettre une hage 21, 24. Ensuite, les repères viennent, donc 30, 36, 42. Le troll des pas faux, donc 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63. Là, je me dis, oula, oula, il faut que je passe sur les ravis. 73, 83. Voilà, donc c'est bien ça. Il me reste 17 depuis. Donc 17 depuis, les gars, on va tenter la fuite et la faux. Sachant que la passa, on la mettra en dernier. Si, enfin, à mon avis, il n'y aura pas la place. Mais on mettra, voilà, la passa, ça sera la fin. Ça sera déjà très clean, honnêtement, comme j'ai. Donc j'ai 17, vraiment. S'il te plaît, la pas faux. Cette fois, tu passes. 14. Mais gros, mais c'est quoi ça? Vraiment, 11. 8. C'est un scandale. C'est un scandale. C'est un scandale. Non, mais attends, une pas faux de 47 à 50, à un moment donné. Tu passes à la fin quand il n'y a plus de puits. Ah non, je suis dingue pour le cri, les gars. Mais non, le cri. La passa, à la limite, j'aurais fait bon. Même si c'est triste, hein. Mais la fuite en moins, là, ça fait tellement moche. Parce que là, du coup, on est sur du 15. Il me reste 2 de puits, quoi. Voilà, je peux rien en faire des 2 de puits. Oh non, comme je suis fané, les gars. Je sais pas quoi faire, en vrai. Parce que le jeu est cool, mais non, non, je suis désolé. Non, elle est pas cool du tout. Non, 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 je suis obligé de tenter le fuit en crit. La fuit en crit, honnêtement, si la fuit passe, c'est cool quand même par rapport à la sagesse. Bon, tant pis pour la sagesse, mais ça serait déjà clean. Mais là, la fuite et la sagesse, non, c'est trop. Donc écoutez, dans tous les cas, on va tenter l'all-in pour terminer. En vrai aussi, le crit passa, il peut le faire, hein. Ça peut le faire, honnêtement. Mais voilà, on va le tenter, je sais que ça passera pas, les gars, on est tous d'accord. Mais voilà, on retentera comme ça, si jamais ça ne passe pas, oh là là, on le refera à l'ancienne, enfin, à la mano, quoi. On fera les exos à la main. Et voilà, sans surprise. Ah là là, quelle déception. Quelle déception, les gars. Quelle déception. Voilà. Écoutez, je vais quand même mettre les 20 orbes parce que moi, je suis un fou. Hop, on va retenter de voir si on n'a pas quelque chose. Mais oh, franchement, les gars, la pas faux. Oh, pour de bon. Pour de bon, la pas faux, les gars. De 47 à 50. Tu m'aurais dit de 57 à 60. Oui! Tu m'aurais dit de 55 à 58, oui, mais de 47 à 50, gros, non. Là, je dis non. Franchement, dommage, quoi. Putain, je méritais tellement avec tout ce que j'ai mis. Et ça aurait été tellement beau comme finish, parce que honnêtement, j'y croyais pas. Vous voyez, j'y croyais pas, j'étais en mode, bon, je le ferai à la mano, pas de problème. Là, on en fait un dernier pour le fun, lololol. Mais non, ouais, pff, dommage, 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 j'avais la place. Donc écoutez, je vais juste prendre 8 GPA. On va finir les orbes qu'on a, quoi. Allez, dernière tenta. Et malheureusement, pas de surprise, ça ne passe pas. Trop dommage, vraiment trop dommage. Je vous aurais quand même proposé du suspense à la fin, donc c'est quand même cool. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à like pour le soutien, voilà, pour les kamas, ça fait toujours du bien. Au moins, voilà, on est bien retombé, c'est pas grave. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker. On se retrouvera mercredi prochain pour les 100 tentes exo. J'espère qu'on aura de la chance sur l'exo, au moins. Et puis sinon, bah, pour le reste des vidéos en semaine et peut-être aussi en live. Voilà, merci à tous. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.